À Gao, l'État malien reprend peu à peu ses droits. L'administration fait son retour. Les armées françaises et maliennes ont repris le contrôle de cette ville du nord du pays en janvier dernier. Prochaine étape, la réintégration des forces de police pour rétablir la sécurité. Avec le retour des forces et le début du retour de l'administration, l'ensemble des institutions, l'ensemble de nos chefs a remarqué, ou plutôt a montré qu'il faut absolument la présence de la police. Tout s'enchaîne aujourd'hui au niveau de Gao. Les représentants de l'État sont là, les forces de sécurité sont là et la population est de retour. Donc nous, ce qui reste à faire, c'est effectivement faire un système d'organisation, effectivement, de tout ça. À Gao, les locaux de l'administration ont été détruits pendant les combats. La police devrait y être de retour d'ici 2 semaines. Sa mission, relancer l'administration de la ville. Une étape essentielle dans la cité avant les élections prévues en juillet prochain. En attendant, depuis ce week-end, la ville accueille la nouvelle base des forces françaises de soutien aux troupes ouest-africaines.